Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. C'est l'arbre lui-même qui se protège et qui arrive à limiter l'infectation à la partie déjà malade. Comme ici, dans cet érable, il y a toutes ces parties-là qui étaient affectées par les verticilles. J'ai coupé là où commençait le problème et l'érable, vous voyez, donc, a fait de nouvelles feuilles. Et ça a eu lieu cette année. Ça, c'est la croissance cette année. Dans 3 ou 4 ans, l'érable aura rempli tous les volumes. Il sera difficile de voir les problèmes à nouveau. On aura à nouveau un bel arbre ici parce que c'est la nature de ces arbres de se protéger de cette façon-là. Les érables asiatiques sont assez vulnérables et les pires de tous, les pires, ce sont les érables à peau de serpent qui n'ont pas ces mécanismes de défense. Donc si un bel érable à peau de serpent est affecté par le verticillium, c'est la mort assurée. Indépendamment de la taille de l'arbre. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. J'ai perdu des érables, des très très beaux érables à peau de serpent qui avaient plus de 10 ans, qui ont été donc touchés par le verticillium, et ils sont morts de ça. Cet érable a subi les mêmes sorts que l'autre érable qu'on a vu en bas, c'est-à-dire toute la moitié de l'arbre a été affectée par la verticilliose. Et ça fait 6-7 ans de ça, et vous pouvez voir que maintenant, il a repoussé de nouvelles branches pour occuper l'espace qui avait été occupé par les branches mortes, et il est très difficile de dire qu'il a été malade. Si on s'approche, on voit encore des traces de la partie affectée en ancien, mais de loin, et ça fait à nouveau un bel arbre. Il a fallu vivre pendant un an ou deux avec un arbre un peu défiguré, qui n'était pas très beau. Mais ça vaut la peine d'être patient et attendre, parce qu'à la fin, on a un bel arbre. Ouais. Celui-ci, je croyais qu'il allait y passer, parce qu'il était sévèrement affecté. Il y avait toute la partie droite qui était passée, mais bon, regardez, il y a de nouvelles branches qui sont sorties et qui donnent un aspect qui, on ne dirait pas qu'il a été aussi malade que ça. Bon, alors celui-là, Agustine, c'est mort. Il est mort, il vient mort du verticille, effectivement. Les petits arbres n'ont pas la possibilité de les mécanismes de défense qui ont les grandes. Donc, s'il y a les champignons dans le sol de peau, il va donc affecter plusieurs racines à la fois et l'arbre périt.